salut. Bonjour. Salut Rachida. Stéphanie Valnet, 55 ans, maman de deux garçons, Vincent et Michael, mariée à Thierry depuis toujours, travaille dans le groupe d'Afimoto depuis 25 ans. Malika Aït Elmoudel, j'ai 38 ans, j'ai trois filles, 11, 9 et bientôt 3 ans. Je suis arrivée chez Dafi en 2015. Impromptu et inoubliable. Okay. Un rayon de soleil. À peu près 10 ans que j'ai envie de faire ce rallye, le rallye des gazelles. Simplement, j'ai jamais trouvé un partenaire. Et quand j'ai rencontré Malika, ça a été l'évidence pour moi. Ça pouvait être qu'elle. Envie de me surpasser, envie de sortir de ma zone de confort. Me prouver que je suis capable de faire une grande aventure avec Malika. Le 3 septembre 2018 à 21h50, je recevais un appel, j'ai un foie pour votre fille. Et cet appel, il a changé ma vie pour toujours. On ne vit qu'une fois, il faut vivre tous les moments qui se présentent à 200%. Oui à l'aventure, oui à la vie, on y va. Cette présence qui est très forte de Stéphanie qui me marque. Une femme d'un courage exceptionnel et fidèle. Une personne digne de confiance, rayonnante. Qu'on vive des moments inoubliables, qu'on aille chercher en au nous fond, des de ressources oui. qu'on ne soupçonne même pas. Sortir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre zone de confort, de vivre quelque chose de différent qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Un avant et un après. Alors moi, c'est plutôt comme ça. Toi, t'es comme ça. Moi, je suis plutôt dans ma voiture familiale. Nous sommes ensablés. Voilà. On a une de nous deux qui restera dans la voiture. Stéphanie, okay. Reste dans la voiture. J'y vais. C'est l'air un petit peu Malika. On peut crever. Et éventuellement, se perdre. Se perdre. Et oui, une boussole, le compas, oui. Une carte. Oui. La chaleur, la fatigue. La fatigue. Surtout, d'hygiène. C'est bon. Regarde, moi j'ai un peu de muscle. Vous avez pris ton Et on soutient en fait une association qui s'appelle l'association Maladie Foie Enfant, la MFE, qui soutient et qui accompagne les enfants hospitalisés ainsi que leurs familles dans le cadre de transplantation d'organes.